Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, je vais faire l'unboxing du coffret numéro 16, enfin tome 16 de The Promised Neverland. Donc, c'est le coffret gag manga. Donc, je l'ai acheté pour 13,78€. Donc les cartons sont assez rigides et sont durs, donc je pense que ça ne s'abîmera pas sur le long terme. Donc l'image là, c'est Emma avec des parapluies ou avec des chiffres qui rappellent les tatouages sur leur cou. Donc le coffret, il y a le tome 16, le manga gag manga. Donc de The Promised Neverland en version drôle, ainsi que 5 silhouettes à détacher. Donc là nous avons le tome numéro 16, donc je vais vous montrer quelques pages. Donc ensuite on a le gag manga, donc en fait c'est une sorte de manga en mode joyeux, avec des blagues, tout ça. Donc je trouve ça sympathique et ça rend plus mignon aussi. Ensuite, on a 5 silhouettes, donc vous pouvez les mettre dans votre décor de collection. Par exemple, si vous faites la collection de The Promised Neverland, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais juste vous les montrer sans les détacher. Donc sur les silhouettes, on a Gilda, on a Emma, on a Dawn, elles sont très 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 jolies. On a encore une fois Emma avec un fusil, une arme, et enfin on a Ray. Donc je les trouve super sympas et super belles. J'ai également reçu ma commande Fnac, donc j'ai commandé le tome 10 et 9 de The Promised Neverland parce que j'en suis là à la lecture et voilà quoi. Donc là on a de la pub Fnac, encore de la pub. Donc on a le tome offert à Black Clover, tome 1. Donc ça c'était à l'achat de 2 mangas, on avait un gratuit. Ensuite j'ai commandé le tome 9 et 10 comme je vous ai dit en début de vidéo. Ah, il y a un petit papier. Donc voici le tome 10, je vous montre quelques pages rapidement. La vidéo est terminée, je vous invite à vous abonner, à bientôt.